ne peut ni ne veut plier sa voile, vit que les vents ramènent fourbus à la glu du rivage, toujours prête cependant à s'élancer par-dessus les bétudes, vit de moins en moins garnie, de moins en moins patiente, désigne-moi ma part, si tant est qu'elle existe, ma part justifiée dans le destin commun, au centre duquel ma singularité fait tâche, mais retient l'amalgame. Poèmes cardinaux, c'est des compositions inspirées par de la poésie, mais j'ai commencé à travailler d'abord en duo, puis à partir de ce travail de duo, j'ai écrit la thématique de trois grandes parties, une qui s'appelle « Paysage », l'autre qui s'appelle « Bourrasque » et la dernière « Résistance ». Aujourd'hui, on va présenter la forme avec l'Orchestre de la Cité de la Musique, « Poèmes cardinaux, Bourrasque 1 ». En fait, Mikéou, c'est quelqu'un qui voyage par le monde, qui connaît beaucoup la musique des Balkans, la musique d'Europe de l'Est. Donc on peut dire que c'est en fait un globe-trotteur, un baroudeur de la musique. En fait, j'étais une sorte de transformateur pour adapter en fait cette énergie pour un orchestre qui n'avait pas l'habitude de jouer ce genre de musique. Donc il a fallu adapter, faire du sur-mesure, avec trois flûtes, deux hautbois, un saxophone, des clarinettes, etc., etc. Voilà, donc on s'est petit à petit approprié la musique. On a eu la chance de collaborer avec quelques musiciens solistes qui étaient invités par Mikéou Montanaro. Chaque fois que nous allons reprendre cette thématique musicale et ces poèmes, ils seront traduits dans diverses langues, ils seront interprétés par divers interprètes. La seule chose qui est fixe, qui revient tout le temps, c'est l'écriture du quintet à cordes, qui est la base du travail. Donc c'est construit un peu de façon antisismique, c'est-à-dire la structure est très forte, mais ça peut pencher d'un côté, de l'autre, ça peut être secoué, mais la structure est toujours là, qui montre un chemin. Il y a des parties improvisées, mais ce n'est pas de l'improvisation pure. Il y a des parties traditionnelles, de musique traditionnelle, des interventions d'instruments populaires, mais elles sont pensées et pas écrites. Et en même temps, il y a des parties très écrites que l'orchestre interprète. Donc c'est un jeu en permanence entre la musique improvisée, le jazz, les musiques du monde, les musiques traditionnelles et la musique savante écrite. Le fruit est aveugle, c'est l'arbre qui voit.